Salut tout le monde, c'est Siokos pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les spots les plus sympas que je trouve sur Dust 2. Donc c'est les spots que j'utilise assez souvent. Donc on va tout de suite commencer par le City Spawn. Donc c'est de monter sur la caisse comme ceci. Donc c'est assez simple, ici il y a un petit rebord. Vous sautez dessus et après c'est bon. Donc quand vous êtes sur la caisse, vous pouvez aussi sauter sur les autres caisses. Et même sauter là-bas. Donc là je me fail comme un con. C'est bon, voilà. Je montre un peu. Comme ça, vous avez un petit spot assez sympa là. Ouais. Un autre spot aussi qui est bien à savoir, c'est entre cette caisse là, vous pouvez voir les ennemis arriver. Donc, je vous conseille pas de tirer quand vous voyez des pieds, ça fait très peu de dommages. Je vous conseille plus de donner l'info à vos potes et faire le frag. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai comme spot? Pas grand chose. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Les spots que j'utilise, j'ai ce spot là. Donc quand ici c'est smoke et vous avez l'info que le mec il se trouve vers la fenêtre, je joue à la WAP et je me mets comme ça. Donc le mec il va checker, il va pas vraiment faire gaffe et je vais lui mettre une balle. Donc le mec il check, des fois il check pas là. Hein. Donc c'est assez utile. Un autre spot que j'utilise... c'est pour voir où se trouvent les ennemis. Donc je mets sur le petit rebord comme ceci et je saute. Donc quand je suis au scout, je fais comme ça et je tue les mecs. Un autre spot sympa, c'est ici. Merde. Vous mettez ici, vous jouez à la WAP, ça c'est cool. Un autre spot aussi que j'utilise souvent, quand je suis en écho, je mets ici sur les caisses, je joue au max 7 et je tue les mecs. Donc souvent ce que je fais, je mets ici vers leur bord, je fais un frag, je descends et après j'essaie de refaire les frags comme ça. Parce que ça va être spot direct, hein. Vous allez tuer quelqu'un, après les ennemis ils vont capter que vous êtes en haut. Un petit spot aussi pour se cacher qui est ici, donc au max 7 aussi c'est sympa. Donc un pote au max 7 là, un autre pote au max 7 là, c'est assez cool. Donc en plus, s'il met une flash, une petite instante, ça permet de faire pas mal de frags. Donc ici, j'ai pas vraiment de spot assez bien. Si on va dire que si vous êtes à la K et que vos ennemis sont assez agressifs, je vous conseille de jouer le tempo en vous mettant ici. Donc ça permet de cacher la moitié de votre corps. Donc vous mettez comme ça. S'il y a une flash qui arrive... Vous faites comme ça et vous allez pas être blanc. C'est vraiment cool. Bah, la plupart du temps. Donc si ça arrive dans cette zone là, la flash va rien vous faire. Et après, vous tuez le mec. Donc ici, un petit spot pour save. Bon, c'est assez connu, je l'utilise plus. Là aussi, c'est pas mal pour save. Il faut vraiment pas montrer son canon, sinon vous allez être cramé. Aussi pour aller au spawn TA assez rapidement, vous sautez sur les caisses. Il y a un petit rebord qui se trouve ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme spot? Un spot aussi qui peut être sympa, c'est de se faire booster par un collègue et vous mettez là au sniper. Donc les ennemis vont décaler mais ils vont pas faire gaffe parce que c'est pas un spot qui est utilisé souvent. Donc ici, vous demandez à un collègue de vous boost. Donc je vais me mettre à la hauteur et vous serez environ à cette hauteur là pour faire les frags. C'est surtout si les mecs ils rush. Donc il y a quoi d'autre comme spot? De jouer ici aussi. C'est assez cool. Aussi une technique que je vous montre que j'utilise souvent. C'est quand il y a un sniper qui est sur le middle en CT. Vous mettez accroupi et vous décalez assez lentement. Et vous checkez comme ça. Et après, vous pouvez peut-être mettre un petit pré-shot. Parce que souvent, vous faites comme ça. Et là, vous allez vous faire tuer. Je vous conseille d'être un petit peu plus subtil et décaler assez lentement comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Pas grand-chose. Je suis en train de réfléchir. Ah si, un spot aussi qui est sympa. C'est quand vous jouez assez agressif. La banane. Qu'est-ce que j'ai raconté? Quand vous jouez agressif, la short... Et vous reculez et l'ennemi va penser que vous êtes reparti sur le bomb site. En fait, vous êtes mis ici. Donc dès que vous entendez que ça commence à arriver vers l'escalier, vous décalez et vous tirez. Merde. Donc
Surtout, ne faites pas ça et vous regardez comme ça, parce que votre canon va être apparent. Donc vous jouez juste comme ça au son, c'est très bien. Donc sauf si l'ennemi slow, vous n'aurez pas de chance. Vous faites comme ça. Vous le tuez. Vous arrivez comme ça. Vous faites un frag. Merde, putain, je suis trop con. Vous faites comme ça, vous faites un frag. Vous faites ça. Et l'ennemi va croire que vous êtes descendu en bas. En fin de compte, non. Et vous retuez le mec. Donc, un spot que j'aime bien utiliser quand je suis à la WAP et que j'ai pas envie de me montrer. Juste pour donner les infos à mes potes. Je me mets ici. J'ai un petit angle de vue sur l'ennemi. Et je tire. Soit je tire. Soit je donne l'info. J'attends un petit peu et je joue un petit peu plus safe au niveau d'ici. Qu'est-ce qu'il y a comme technique assez sympa à connaître? Une technique que peu de personnes utilisent, mais jouer au jump shot, les gens. Surtout au GR, ça peut vous sauver la vie. Donc, par exemple, il y a un terroriste qui plante la bombe ici pour la short. Vous êtes en CT, vous arrivez, vous avez à peu près l'info qu'il est là, vous sautez et vous tirez. Donc, je préfère tryhard ça que essayer de faire le tour et essayer de le tuer. Donc ça a sauvé de la vie à pas mal de personnes de faire ça. Les jump shots, ça c'est utile. Vous pouvez faire les jump shots assez facilement si vous utilisez un scout ou Mac 7, fusée à pompe, tout. Un spot qui est aussi qui a été aussi assez utilisé. Donc c'est ici. Vous campez ici au GR. Et les ennemis ne vont pas vous voir, je vous assure. C'est un spot, mais vraiment, mais monstrueux. Les gens, ils font pas gaffe. Ça dépend leur résolution et leur qualité de jeu. Mais des fois, ça arrive de pas voir les ennemis. Donc, des fois, je me fais avoir et que je me fais tuer par un mec qui campe ici, quoi. C'est vraiment pas spot. Qu'est-ce qu'il y a comme endroit que j'aime bien? Ah, aussi. J'aime bien me mettre là. Comme ça, vous arrivez. Vous attendez que les terroristes arrivent. Vous mettez une balle et vous baquez direct. Et après, vous pouvez redonner l'info en vous mettant ici. Donc, je crois que c'est un petit peu près tout pour les spots qui sont assez utilisés sur la map des deux. Il y a aussi ce petit spot là pour checker s'il y a des mecs short. Vous mettez là et vous avez un petit peu d'infos. Moi, je crois bien que c'est tout. Là, j'ai fait un petit peu le tour des spots qui sont assez utilisés. Vous pouvez aussi vous mettre là pour save. C'est assez bien. Même ici pour save, ça le fait. Je sais pas si c'est bien de save d'ici. Là, vous mettez comme ça, on voit pas votre tête. Je sais pas, à vous de voir. Voilà. Aussi, je vous conseille de faire des strats en solo, essayer de placer vos smokes, vos flashs, c'est très utile de jouer solo. Donc moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à lâcher un commentaire, un like, ça fait toujours plaisir. Et abonne-toi si t'as envie d'avoir d'autres vidéos de ce style-là ou d'autres, propose-moi. Donc moi je te dis ciao, bye.